Il prend une grosse gorgée et là il dit, dans la fraîche, me donne la pêche. Monsieur le directeur. C'est bien. On garde l'idée. Mais on remplace l'homme par une femme. Ben pourquoi? C'est une pub sur une marque de yaourt, dans le milieu de la nourriture, la cuisine, la santé. Je vois plutôt une femme pour porter ce message. Ben justement, moi, mon choix s'était porté sur un homme pour justement éviter de reproduire le cliché « la femme dans la cuisine », vous voyez? Mais enfin, c'est pas ce que ça veut dire. Ne vois pas des messages cachés là où il n'y en a pas. Pourtant, c'est ce que le spectateur risque de comprendre. Hein. Mais non, c'est une pub. Il ne va pas aller se demander le pourquoi du comment elle a été faite comme ça. Mais justement, ça sera inconscient. Si je peux me permettre, c'est pas ça qui va changer sa vision des choses. Ben moi, je crois que si. Nos références deviennent celles qu'on voit à la télévision et au cinéma. Enfin, je sais pas... Nathalie, toi, ça te fait rien de voir ça? Non, enfin... C'est les pubs classiques qu'on voit à la télé. Ça fait des années qu'on fait des choses comme ça. Il n'y a rien de choquant ni d'humiliant. C'est ton côté féminin qui ressort? Non, mais attendez, là... Le féminisme, c'est pas que les femmes extrémistes. Mais c'est une cause qui peut aussi toucher les hommes. Là, je suis d'accord avec toi, mais je vois pas le rapport. Le rapport? Mais c'est que vous voulez prendre une femme pour jouer le rôle du personnage. Seulement voilà. Il va falloir qu'elle corresponde encore aux critères de beauté habituels, à savoir jeune, blonde et jolie. À votre avis, ils vont retenir quoi de ça, les enfants? Ah là, en revanche, il a raison. Un personnage féminin montré au grand public, hein, il va falloir qu'il ait des critères particuliers. Évidemment, mais on n'affirme pas donner au spectateur la réalité. On lui vend un idéal, un rêve. Bon, je pense que, de toute façon, l'équipe a donné son avis. On part là-dessus. Allez, aux femmes. Je suis la belle au bois dormant, bonne qu'à attendre son prince charmant. Je suis cette fille dans la pub de parfum à moitié nue, parfaitement épilée, huilée. Je suis celle qui est directement touchée quand tu masculinises ton langage. Je suis cette personne qui a une chance sur cinq de se faire violer. Je suis cette victime qui, après tout, l'avait un peu cherchée. Je suis cette autre soumise à des critères de beauté avant même d'être née. Je suis cet être vivant étouffé par un harcèlement qui est devenu mon quotidien et invisible aux yeux des autres. Je suis la moitié d'une population oppressée par une autre moitié. Je suis celle qui exagère, car après tout, je ne suis qu'une femme. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir.